nouvelle semaine. Donc, vous avez vu hier, j'ai fait des petites images du marché de Noël de Dijon. Donc voilà, en fait, je suis allée retrouver une pote de promo. Et en fait, on a mangé des churros, des trucs comme ça. On s'est baladé dans le marché. J'ai acheté des trucs, notamment double CD de Ed Sheeran, parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai envie de m'acheter les CD de Ed Sheeran, mais je le fais jamais. Donc là, en fait, il y avait les deux CD pour 10 €. Donc du coup, j'ai sauté dessus parce que bah c'est grave cool. Donc voilà, c'est X et Plus. Donc voilà, et du coup bah il m'en manque encore quelques-uns, mais déjà j'en ai déjà deux, donc c'est grave cool parce que j'aime bien m'acheter des CD. Je suis encore team CD, enfin j'aime bien le streaming genre Spotify, j'utilise quand même pas mal, mais c'est vrai que j'aime bien parfois avoir juste un CD, voilà, donc tout simplement. J'ai oublié de vous montrer ce week-end ce que j'ai eu dans le calendrier, parce que vu que je faisais mes spectacles et tout avec la troupe de danse, et bah j'étais trop fatiguée pour vous montrer. Je crois que ça se voit sur la vidéo de fin du vlog précédent. Donc bah voilà. Mais du coup, donc le samedi, j'ai eu donc c'est un lip mask. Voilà. Et hier, j'ai eu donc une lime à ongles. Je sais pas si je vous ai montré, je sais plus, mais j'ai eu aussi un autre jour voilà, des stickers comme ça pour mettre sur les ongles. Donc ça c'est pour ce que j'ai eu dernièrement dans mon calendrier. Là je vais ouvrir la case d'aujourd'hui parce que ah non, mais c'est hier que je vous ai pas montré. Donc hier j'ai eu une lime à ongles, donc lundi. Dimanche j'ai eu des stickers, je crois que c'est dimanche que j'ai eu les stickers, et samedi j'ai eu donc le lip mask, et genre ça sent vachement bon à la fraise, c'est un truc de dingue, j'ai l'impression de sentir les carambars à la fraise, donc voilà, c'est des carambars que j'adore, donc c'est très bien. Voilà, et du coup là on est numéro 7 aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est un gloss bah, tout simple, transparent. Mais c'est plutôt pas mal parce que j'en ai pas des tout simples. J'en ai avec des paillettes, genre bleu et tout ça. J'en ai un autre avec des paillettes un peu violettes mais moins présentes. Donc là, c'est super. Enfin, j'en ai pas de gloss tout simple et tout parce que en vrai, bah, du coup, je mets du baume à lèvres. Mais pour certains trucs, ça peut être pas mal. Donc... cool, cool. Voilà pour aujourd'hui. Sinon, hier, j'ai fini Lock and Key saison 2. Oh purée, elle était bien cette saison 2. Même si ça a mis un peu de temps à commencer, je trouve que c'était vachement cool parce que on avait un peu les origines de... Enfin, on apprend à connaître en fait les origines des logs et tout. Même si on sait pas non plus grand chose, il n'y a pas non plus beaucoup d'explications. Mais on commence à voir un peu le passé et voilà, et on apprend à connaître un petit peu plus sur comment ça fonctionne. Et bien entendu, voilà, y a des batailles finales et tout, enfin bref. Et c'est sûr qu'on aura une saison 3 parce que vu comment ça se termine, il ne peut y avoir qu'une saison 3. Voilà, tout simplement. Ah oui, hier, du coup, donc au marché de Noël, il y a en fait un stand avec des... pâtisserie plutôt Moyen-Orient, et en fait j'adore ça, donc du coup je me suis pris des loukoum et des macroutes. Vraiment j'adore les macroutes, c'est beaucoup trop bon, et en fait je me dis que si je repasse devant dans la semaine là, je vais sûrement me reprendre d'autres trucs parce que c'est vraiment trop 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 bon, et ah, vraiment c'est un délice, j'aime beaucoup trop ça. Mais en même temps il y a beaucoup de sucre, donc bon voilà. On aime le sucre. Et après, concernant ma lecture en cours donc de Corrie Duen, j'avance petit à petit. Là, je suis à 109 sur 305, donc j'ai quand même pas mal lu hier. J'ai pas encore lu aujourd'hui, mais je sens que je vais pas mal avancer là.
Hello, du coup là on est mercredi, je reviens parce que j'ai fini du coup Corridor de Yves Grevet, donc U4. Voilà. Donc ouais, je l'ai fini dans la journée, là, cet après-midi quand j'avais pas cours. Comme ça c'était fait. Et alors, j'ai entamé un nouveau livre, mais ce n'est pas U4 Jules. Parce que j'en avais un petit peu marre de l'univers. Vu que, étant donné, ça se passe tout sur le même moment et que c'est. Comment dire? Disons que on connaît un peu ce qui se passe et au bout d'un moment, j'en ai lu trois et comment je dois dire à m'en lasser. Donc, du coup, je mets une pause. Même si Corridwen, ça a changé des deux autres que j'ai lus et je l'ai largement préféré à Yanis et à Stéphane. Donc ouais, il était très très bien, la plume de Grevet toujours, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas ça qui a fait que j'ai pas eu envie d'enchaîner avec le dernier tome. Mais je préfère lire autre chose pour me couper et pas en fait me dégoûter parce que je commençais, même avec Yves Grevet, je sentais à avoir de moins en moins envie de lire. Et c'est vraiment bête parce que bah maintenant j'adore, donc voilà. Donc du coup, à la place, j'ai commencé La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. J'arrive pas à dire ce nom, vraiment. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai vraiment lu quelques pages. Là j'en suis à, comment que ça s'appelle? J'en suis à l'espèce d'introduction qui s'appelle Le Bureau des Douanes. Voilà, c'est le bureau des douanes en forme d'introduction. Je sais pas s'il y a plus, mais enfin bref. Donc voilà, j'en suis à ça. Donc vraiment à rien du tout. Donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Voilà, juste que ça change un peu. J'ai vu il est pas trop aimé, d'autres qui aiment, parce qu'apparemment le début est trop long, je sais pas trop quoi, mais pour le moment j'aime bien la plume, donc la manière d'écrire, donc on verra bien comment est-ce que ça va évoluer, si je vais détester ce livre ou pas. Oh là, oh my god, qu'est-ce qui se passait? oh là, il y a quelqu'un qui s'énerve contre sa porte. Mais en fait, c'est assez. En fait, dans l'immeuble où je suis, enfin, ouais, c'est un immeuble, mais c'est un peu bizarre. En fait, quand quelqu'un claque la porte, mais en fait, ça fait trembler les murs. Mais moi, c'est pareil, en fait, je suis obligée aussi de claquer ma porte parce que, en fait, en hiver, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai beaucoup plus de mal à fermer ma porte que l'été, en fait. Donc, du coup, bah voilà. Mais ouais, mais c'est. Ça m'a fait peur. Ça a fait vibrer derrière. Faut pas me faire des peurs comme ça. En plus, c'est acharné le mec. Là, je vais écrire des lettres parce que, en fait, normalement, j'ai des correspondants et tout ça. Mais il y en a qui m'ont envoyé depuis des mois, mais j'ai pas eu le temps de répondre ni rien. Donc là, ce soir, je m'y attelle.
neige, enfin Dijon. Oh là là, my God. Oh, je suis trop contente. Vraiment. J'aime pas tellement le froid, mais en fait, petit à petit, je me dis que c'est quand même pas mal. En plus, on peut mettre des gros pulls et tout. Ah, je suis trop contente. Du coup, je suis allée acheter de la glace. Parce que vu que c'est les premières neiges, et bah. En tout cas, à Dijon, et bah, je me suis dit que j'allais acheter de la glace. Vous devez me prendre pour une folle. Mais voilà, faut fêter ça. Donc voilà, j'ai acheté de la glace et je vais la manger. Peut-être pas tout, hein, je pense pas. Mais ah, c'est trop bien. Trop trop contente. J'ai pris la cookie dough de Carrefour parce que j'ai un Carrefour City près de chez moi et du coup j'ai pris le truc le moins cher. Voilà, sinon il y avait les Ben & Jerry's, mais c'était un petit peu plus cher, donc bah du coup j'ai pris celle-là. Voilà. Du coup je ne vous ai pas dit, on est vendredi matin. J'ai eu mes heures de cours. Donc du coup là je suis rentrée. Et au niveau de ma lecture. Au niveau de ma lecture de la lettre écarlate, j'ai lu donc là juste c'est le troisième chapitre. Donc je n'ai pas encore commencé, mais j'ai enfin fini le gros chapitre d'introduction. Je sais pas trop ce que c'est. Mais qui fait 40 pages, un truc comme ça, qui est super gros, super long. Mais c'est pour un peu. C'est un peu une introduction sur. Je ne sais pas si c'est réellement l'auteur qui raconte comment il a découvert et tout, et s'il est ça. Faudrait que je re-regarde. Mais en gros, on dit que le narrateur, c'est pas l'auteur, et que en fait, c'est un douanier qui va découvrir, je crois, un paquet de lettres ou de documents. Et donc, ça raconte l'histoire de la lettre écarlate et il va aussi découvrir un truc rond, enfin une broderie ronde avec un A en fil d'or dessus. Et donc, c'est à voir avec l'histoire. Voilà. Donc là, l'histoire a commencé. On est sur un procès, donc une femme, on ne sait pas pourquoi pour le moment ce qu'elle a fait. Mais les femmes sont extrêmement critiques vis-à-vis d'elle, elle la critique et tout ça. Après, je trouve que ça a à voir un peu avec en fait ce que j'étudie. En vrai, du coup, vu par rapport à enfin, mon projet tutoré sur Sorcières de Salem, enfin les sorcières, le procès de Salem et le droit des femmes. Ça montre vachement un document, enfin, je vois parfaitement le lien avec un document que j'ai en fait, qui montre que les femmes sont extrêmement critiques et qu'elles vont aller plus loin que ce qui est demandé. Parce que voilà, en fait, c'est comme ça. Enfin, vu qu'elles ne veulent pas qu'il leur arrive la même chose et tout ça, enfin bref. Et du coup, je vois vachement le lien. En plus, je crois que ça se passe à Salem, je ne sais plus. Enfin bref, je suis un peu. Ouais, c'est à Salem. Donc en plus, c'est parfait. Donc ça montre vraiment. Enfin, j'ai vraiment les liens et tout. Donc c'est vachement cool. Je sais pas encore si je vais pouvoir intégrer le truc à mon document. Ça pourrait être vachement cool. Ça pourrait. Parce que faire des liens comme ça. Enfin bref, faudra que je vois. Et donc voilà, pour le moment, elle va être sur un pilori à la vue de tous. Voilà. Et elle a un enfant. Donc elle s'appelle Esther Pine. Et donc du coup, voilà, elle va être montrée à la vue de tous. Pour le moment, voilà, on n'en sait pas plus. Mais j'adore par contre la plume de Nathaniel Hawthorne. C'est vraiment une plume que j'aime énormément. C'est très poétique. Après, le gros truc d'introduction. Je m'envoie ma glace. Pour le gros truc d'introduction, je trouve par contre que on sait pas trop où il veut aller et c'est très long. Et même si la plume est très belle, très poétique et tout ça, parfois en fait j'étais perdue et en fait je me disais non, ça sert à rien que je remonte parce que voilà, en fait ça passe d'une personne à une autre.
on voit pas trop où il veut aller. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'explications en lisant le livre. Je ne sais pas, on verra bien. Mais ouais, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, on verra bien. Mais pour le moment, j'aime pas mal. Voilà. Genre, j'avais vu des mauvaises critiques. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours la même critique. C'est, ouais, ce gros truc d'introduction. Bah, en fait, faut s'accrocher parce que faut pouvoir le dépasser, en fait, pour vraiment accéder à l'histoire. Mais ça montre comment il a découvert les documents et comment il se plonge dans l'histoire. Tada! Alors, on est le 10. La boîte est là. Qu'est-ce qu'on a? Ça tient? C'est un lip balm coconut. Ça fait pas trop le focus, hein. Ça, c'est pas faire le focus. Si. Voilà. Est-ce que ça sent le coconut? Ça sent. Ça sent pas coconut. Hein. Enfin, en tout cas, là, comme ça... Par contre, genre, on a un lip mask et un lip balm. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que moi, je vois pas vraiment de différence. Enfin bref, c'est plutôt pas mal comme cadeau. Et puis en plus, là, ça sert toujours. Hein. Alors, on va retourner la petite case là, remettre. Voilà. Yo. Aujourd'hui, on est samedi. Alors, j'ai pratiquement rien fait de ma journée. Déjà, j'ai très mal dormi. Puisque à 5h, j'étais réveillée. Et j'étais très, 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 très enrhumée. Enfin, la journée, ça a été pas terrible, terrible. Bon, j'ai réussi à me rendormir, mais voilà, je suis quand même crevée. Et en fait, hier soir, on a fait une soirée avec certaines filles de la Luna, donc de la troupe de danse. Voilà, on a fait une soirée piscine chauffée. C'était grave cool, super sympa de se retrouver et tout, juste pour déconner, voilà, pour prendre du bon temps. Et ce soir-là, dans pas très longtemps, je sais pas, dans 2 heures, un truc comme ça, j'en retrouve quelques-unes, puisqu'on va aller voir un spectacle de danse de Ofe Schechter. Et apparemment, c'est génial et tout, donc j'ai trop trop hâte. Voilà. Sinon, je n'ai pas encore ouvert le calendrier, donc du coup, on va le faire maintenant. On est le 11. C'est un disque démaquillant réutilisable, je pense. Comme ça. Il est tout mignon. Il est grave cute. Rose et blanc comme ça. Il a l'air super. Enfin. Ah, peut-être par contre que. Parce que je fais grave gaffe, parce que j'en ai certains. Où en fait, ils sont tellement doux. Donc en fait, il y a deux côtés. Ils sont tellement doux qu'en fait, quand on passe, quand on frotte quand même, et ben en fait, ça se déplace, ça fait comme ça là. Du coup, c'est grave pas pratique. Mais je pense que celui-là, ça devrait aller. Il est trop trop chou. Il est rose. Les coutures. Trop mignon. J'en ai... Enfin, en plus, j'utilise que ça maintenant. Même si j'ai de l'huile démaquillante. Du baume démaquillant. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'utilise toujours des cotons réutilisables parce que pour enlever c'est plus pratique. Ouais. Et du coup, je suis allée acheter des trucs cet après-midi. Je suis allée acheter déjà un sweatshirt comme ça qui est trop beau. Je l'aime bien, j'aime beaucoup. Et parce que j'ai en fait depuis un moment, j'ai envie d'avoir un autre sweatshirt que le vert que vous voyez tout le temps. Parce que c'est tellement agréable les sweatshirts, genre quand on reste chez soi et tout, ou même genre les matins de cours où t'as juste un cours et t'as la flemme de t'habiller et tout ça, tu prends un sweatshirt et c'est parfait.
Donc celui-là, je l'ai acheté à Pull&Bear. Et il était un peu en réduction. Et en fait, je l'avais vu et tout. Et voilà. En plus, il est tout doux. Voilà. Donc, grave cool. C'est un S. Donc, il est un peu grand parce que je l'ai essayé. Mais en vrai, j'adore ça quand c'est un peu grand. Parce que des fois, genre, on peut se mettre et tout. Enfin, bref. Ça me dérange pas trop quand c'est une taille au-dessus. Donc, voilà. Et j'ai acheté aussi, mais ça c'est plus le truc beauté, j'ai acheté ça, c'est de l'eau de rose. Et en fait, c'est pas mal pour la peau ou le truc comme ça. Donc j'avais déjà un petit spray, donc en fait là c'est d'une autre marque. Mais du coup je vais le remplir avec ça, qui coûtait pas trop cher, donc ça allait. Voilà mes petits achats du jour. Mais en vrai, j'ai grave envie d'en racheter d'autres, des sweats et tout. C'est vraiment mon délire en ce moment, les sweats. Genre larges et tout, parce que vu que c'est l'hiver et tout, là je suis en plein kiff tout ce qui est gros pull comme ça. Là. Ça fait plusieurs années que je l'ai celui-là. Je l'aime beaucoup trop. Bah, c'est aussi un Pull&Bear. Je l'aime beaucoup trop. Enfin bref, j'adore les gros pulls. Niveau lecture, j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal avancé, j'en suis au chapitre 9. Et c'est grave sympa. Moi, j'aime bien. Après, c'est la question que je me suis faite. Peut-être que j'apprécie un petit peu plus, étant donné que j'ai, niveau civi et littérature américaine, j'ai eu des cours. Donc du coup, j'ai un peu plus... J'ai un peu plus de background par rapport à l'histoire des États-Unis, par rapport à la littérature. Je pense que ça aide quand même à comprendre. Et comme je dis, en vrai, au niveau du début et tout ça, vu que mes documents, ça parlait un peu de ça, tout ce qui est sorcellerie et le pouvoir des femmes et tout, et enfin bref, et la religion et voilà. J'aime d'autant plus, donc en fait je pense que c'est parce que j'ai étudié des trucs et du coup je comprends que j'apprécie le livre, alors que j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs et tout ça. Donc, en commençant, je me suis dit crotte, ça a l'air trop bien et je vais pas aimer. Et en fait si, j'aime beaucoup, parce que je pense voilà que j'ai ce background. Il y a au niveau d'un, enfin je trouve qu'aussi il y a aussi pas mal de mystère et tout, donc non, ça m'intrigue. Il y a des choses qui m'intriguent, je me dis est-ce qu'on va savoir telle ou telle identité et tout, donc j'aime pas mal. Voilà, je vais contre l'avis du public français, parce que sur Livre Addict c'est pas des, il y a pas une note terrible et tout le monde dit ouais c'est pas terrible machin. Ben, moi j'aime bien, tant mieux hein. Je vais contre l'avis des autres. Mais ouais, je pense que connaître un peu l'histoire des États-Unis et avoir un peu étudié la littérature américaine, ça peut, je pense, pas mal aider à comprendre le contexte. Voilà, parce que c'est toujours ça, en fait, tout ce qui est littérature qui remonte à pas mal d'années, il faut se renseigner sur le contexte social, socio-économique. Sur l'histoire du pays, ces genres de choses. Et en fait, quand on n'a pas ces éléments-là, ces clés-là, je pense qu'on aime moins. Voilà, c'est tout. Et après aussi, je pense que très, très certainement, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé à cause du chapitre d'introduction. Mais c'est bête de rester focus sur ce gros chapitre d'introduction qui, oui, peut du coup faire en sorte que certaines personnes abandonnent, et c'est tellement triste parce qu'il faut aller au-delà, voilà. Enfin bref, c'est mon interprétation à moi, donc voilà.